Donc, partie 2, hein. Bon, ben, tu essayes d'avancer dans ta vie. Toi, de ton côté, tu n'as personne. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un de pas très fiable, en fait. Non, c'est... Parce que déjà, on ne t'aurait pas fait ça. Sinon, déjà, clairement, un. Deux, il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre. Deux, on ne te l'aurait pas caché. Trois, voilà. Ok? Tu devais le sentir. Voilà, parce que tu es comme ça. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais à un moment donné, si. Ok? Et en plus, si par exemple, tu as des ressentis et de la clairvoyance, c'est pas bon pour toi. Alors, si tu le fais juste comme ça pour toi le week-end, ça va. Mais si tu as une mission, bah, tu peux pas te permettre de te rendre malade pour un mec ou une nana. Ok. Donc, on te conseille vraiment d'avancer sur ton cheminement sans ce mec ou cette nana. On te conseille de ne pas en vouloir à ce mec ou cette nana, ça ne sert à rien. On te dit qu'il faut pardonner, voilà, mais pour toi surtout. On te dit que en plus on te l'avait déjà fait dans le passé et on te recommence à te le faire. C'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire? De ne pas te rendre malade pour un mec ou une nana, ça n'en vaut pas la peine. On te dit plus de continuer ton cheminement. Si tu as une mission de vie, de la continuer. On te dit qu'en plus, il y a quelque chose qui me déplaît financièrement. L'autre nana a énormément parlé de toi dans ton dos. C'est une nana qui voulait de la lumière. C'est une nana qui voulait briller. C'est une nana qui t'a coûté énormément d'argent. C'est une nana qui derrière ton dos a dû te faire une mauvaise réputation. Professionnel et tu as perdu énormément d'argent à cause d'elle. Ok, donc c'est un mec ou une nana que tu as dû connaître, je ne sais pas, sur un automne. Ok, et ça va pas du tout. Donc, on te dit de t'occuper de ta santé, de tes énergies, des énergies vitales et émotionnelles. On te dit de t'occuper aussi de ton cheminement professionnel et d'avoir une vie et une hygiène très équilibrée. Ok? Voilà. Ça a dû aussi te fracasser peut-être un peu physiquement. Voilà, hein, machin, bidule.